Bienvenue au sommet de la musique. Au sommet de la musique. Avec Radio Mont Blanc. Alors, on va faire un portrait ce soir. On parlera de tes futures dates. Et surtout, on va commencer par dire que tu es quelqu'un de Haute-Savoie. Voilà, je suis né à Bonneville. Tu as commencé déjà la musique très tôt, à l'âge de 5 ans. Exactement. J'ai commencé par le piano. Et puis, j'ai appris le solfège. J'en ai fait peut-être 4 ans. Et puis après, je faisais beaucoup de choses, beaucoup de sport. Donc, j'ai un petit peu laissé tomber. Et ça m'a repris avec la guitare à 13 ans. Voilà. Et tu es resté dans la région, t'es parti après, t'es parti sur Paris. Alors je suis parti d'abord en Australie à 20 ans, ouais, j'ai fait une école pour de musique. Musique ouais, ouais, j'ai fait une école de musique. Et puis après, ben, je suis revenu sur Haute-Savoie, j'ai refait une autre école à Nancy, Musique Academy. Et donc bah, j'ai travaillé un peu entre temps pour me payer les écoles. Et voilà, fini par Paris récemment, quelques années à Paris, où j'ai enregistré le premier CD. C'est une démo éponyme, donc j'ai juste mis mon nom. Et puis avec le groupe parisien, donc des jeunes hyper doués, vraiment prometteurs sur Paris. Et on a rejoué un petit peu ensemble en Haute-Savoie, là on a joué à l'atelier à Cluses. Premier CD, on a compilé un petit peu tout ce qu'on faisait, beaucoup de jazz, de pop, un peu de fusion, jazz moderne, jazz funk. Et ce projet, par la suite, il a évolué et il est devenu le projet qui a pour nom Journeyman. Journeyman, bah, c'est un peu le nouveau nom que j'ai donné au projet, qui est devenu un peu plus vocal, un peu plus pop. Journeyman, c'est un quartet pop jazz soul. Voilà, c'est l'évolution de ma musique, quoi. Maintenant, c'est l'aboutissement de toutes les compos que j'ai pu rassembler. Voilà, en parallèle avec les autres groupes pour lesquels je peux jouer. Ah oui, parce que les auditeurs t'ont peut-être vu en tant que guitariste et chanteur des Choucas. Ouais, c'est vrai, on a un gros show avec des danseuses, danseurs, deux chanteuses, batteurs et ouais, ça tourne bien, c'est une bonne expérience. Et le troisième projet, c'est Sylvain Maioli, donc toi, mais en solo. Alors c'est marrant parce qu'ils sont tous complémentaires, entre Journeyman, où là t'es un quartet pop jazz soul, les Choucas, guitariste chanteur pour un show avec des lasers, avec un spectacle, une chorégraphie. Voilà, ouais, et exactement. Puis après, toi en solo. Voilà, ça résume un peu tout ce que j'ai fait ces dernières années. Puis en solo, ben, ça me permet aussi de jouer plus dans des petites formules. Et je joue en solo avec un looper. Donc j'enregistre en live mais des boucles de guitare ou des percussions où je tape sur la guitare. J'enregistre un tambourin aussi en live. Donc je boucle tout ça en live et puis je chante par-dessus, je fais des solos par-dessus. Donc ça fait tout un projet assez riche, quoi, avec pas mal d'orchestration malgré que je sois tout seul. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que tu es multi-instrumentiste. Alors tu joues de quel instrument par exemple ? Guitare, alors basse, ouais. Un petit peu de clavier, comme je peux. Ça en fait 3, ouais. De la batterie. La batterie, 4. Et puis tout ce qui me tombe sous la main qui est exotique, comme des percus ou... Banjo aussi, je crois que j'ai vu. Du banjo, ouais, du shaker, toutes sortes de percus. Et c'est que du bonus pour toi en fait, d'avoir la main mise sur tout comme ça. Voilà, exactement. À force de me faire un bon studio là chez moi, j'ai fini par mettre aussi une batterie et bosser dessus pour faire mes démos tout seul et pouvoir avancer à n'importe quelle heure, faire n'importe quel instrument sans avoir besoin de musiciens, de caler une répète et tout ça. Du coup, ça passe bien, quoi. J'ai même sorti donc des clips avec des nouveaux morceaux où je fais tout. Alors les clips, pour ceux qui veulent voir les clips, faut directement aller sur la page Facebook. C'est Journeyman, c'est ça, voilà. La page Facebook. Ouais. Hein. Exactement. Comme ça, vous allez sur Journeyman, vous likez juste avant et après vous regardez les clips tranquillement chez vous. Vous voyez donc Sylvain qui touche à tous les instruments, c'est excellent. Tu parlais du studio, c'est ton studio aussi ça ? Voilà, c'est sous la maison de mes parents dans le sous-sol. D'accord, ouais. Et c'était une buanderie garage qui, à force de travail, squatter, hein, ouais, exactement, voilà. De officialiser le truc. Voilà.
Et puis, ben voilà, en travaillant pour moi, j'ai mixé aussi mon album. J'ai acheté pas mal de matériel. C'est donc devenu un vrai studio professionnel. Voilà. Donc, on commence à me demander d'enregistrer, de mixer. Et donc là, je travaille un petit peu pour Alice Darlix de Salanches. Je fais tous les instruments, toute la prod, et je vais mixer. Donc là, il y a c'est elle avec ses compos, super compos d'ailleurs, super voix, guitare-voix. Mm-hmm. Et moi, je ferai tout le reste, quoi. Et si, par exemple, j'ai un groupe, j'ai envie d'enregistrer un truc, je viens de voir, ça se passe comment, en fait? Ouais, on peut me contacter par Facebook, voir ce qui est faisable. Il y a déjà une batterie sur place aussi. Avec nous dans le Live Back sur Radio Mont-Blanc. On va maintenant aborder le sujet des projets, l'avenir, Journeyman, les Choukas et toi en mode solo. Alors bah pour Journeyman, on cherche un maximum de dates en live, sur Haute-Savoie ou un peu partout, même en Suisse, parce que l'équipe maintenant est suisse de Journeyman. Oui, c'est franco-suisse. Hein. Voilà, franco-suisse. Donc avis aux amateurs, si vous cherchez un quartet pop, jazz, soul, Journeyman est là. Autre projet avec Journeyman. Voilà, on voudrait aussi lancer un financement participatif, donc peut-être via KissKissBankBank. Donc c'est un site qui permet aux gens de participer à la création d'une démo ou d'un CD. Donc vous mettez un peu de sous, voilà, vous allez sur le site internet, un petit peu de sous si ça vous plaît. C'est ça, et vous avez des contreparties, donc suivant le montant des participations, un CD, ou après il y aura des t-shirts ou même des concerts privés. Donc on va voir ce qu'on met en place, mais voilà, ça va bientôt se faire, je pense, pour un nouvel EP bien produit, bien frais. D'accord. Sûrement un financement participatif dans l'été, je pense, ou en septembre. Alors ça, c'est très prochainement, il faudra suivre ça sur le Facebook Journeyman. Exactement, ouais. Pour les Choukas. Les Choukas, bah ça évolue aussi. On a quelques dates hors Rhône-Alpes. Puis pareil, on est en train de rechercher des nouvelles dates et un petit peu de travailler en dehors de la Haute-Savoie. Et pour finir, pour toi, donc Sylvain Maioli solo. Solo, ben pareil, je cherche quelques dates, je me produis un maximum autant que possible, donc l'appel est lancé. Eh ben allons-y, en tout cas les dates, on va en donner quelques-unes. Alors on va commencer avec le Blues Rock, tiens, c'est la prochaine date qui arrive très prochainement, elle. Hein. Voilà, on joue le 11 avril au Blues Rock Café à Saint-Paul en Chablais. En mode Journeyman. Hein, Journeyman, ouais, là c'est le groupe, et ben on va faire plein de compos, de reprises aussi, il y a un resto, un bowling, donc c'est la grosse soirée, on peut tout faire là-bas, bowling, resto, manger, concert, et puis le 11 avril, donc ça c'est en groupe, ouais. Et le 13 en solo, au Carreau. Au Carreau d'Arrache. Un pot d'accueil sur la place. Merci Sylvain. Ben, merci à toi. Merci pour l'interview. Merci Romain. Sylvain Maioli, donc je répète, si vous voulez plus de questions, il y a le Facebook Journeyman, c'est J-O-U-R-N-E-Y et Man, M-A-N. Merci encore Sylvain. Merci à toi Romain. Bienvenue au sommet de la musique. Au sommet de la musique. Avec Radio Mont-Blanc.